Monsieur K sortait de son bureau un soir d'été. Il avait auparavant téléphoné à sa femme, s'inquiétant de sa mère, qui était malade. Il avait aussi reçu un client, qui lui avait remis de l'argent. Au volant de sa voiture, il pensait au présent, juste au présent, car il ne voyait pas l'avenir, et le passé était chargé de tout. Joie et amertume, gloire et décadence. Il s'attendait ces derniers temps au pire, mais il misait sur le respect des autres pour tout ce qu'il avait fait. Là, il souriait, car il avait à son actif pas mal de choses sur le plan professionnel et sur le plan scientifique. Bref, il est admiré par tout le monde. Peut-être pas par tous. Et là, il s'arrêta de penser. Un homme lui faisait signe de s'arrêter, ce qu'il fit. Il sortit sa carte. Il était de la Sûreté Générale. Vous êtes Monsieur K? Oui. Nous avons des ordres pour vous accompagner. Puis-je savoir où? Tout près d'ici. Notre patron vous attend. Dois-je rester pour la nuit? On ne croit pas. Il ne vous fera pas attendre. Est-ce que je pourrais prévenir ma famille? Vous le ferez de son bureau. Bon, on y va. Vous permettez? Quelques 200 mètres, et la voiture s'arrêta. L'homme conduisit Monsieur K au bureau du grand patron de la Sûreté. Le grand patron reçut Monsieur K cordialement. Après tout, Monsieur K connaissait toutes les grandes personnalités. Pas plus vous téléphoner. J'espère que mes hommes vous ont bien prêté. Vous auriez pu me donner un rendez-vous? Oui, en effet. Mais j'ai reçu un coup de fil. La décision de vous arrêter a été prise ce matin. Seulement, on se demandait à qui profiterait le plus votre arrestation. Surtout que le mandat d'arrêt ne contient rien de précis. Juste un mécontentement exprimé par le président contre vous. Pourquoi avoir tant attendu? Ordre de priorité. On aurait même pu attendre quelques mois. Imaginez. Vous auriez même pu voyager à l'étranger et ne plus revenir. Comme votre collègue, Monsieur Ali. Combien de temps allez-vous me détenir ici? Je n'en sais rien. En attendant, vous avez coupé une de nos pièces. Vous savez qu'on est à court de pièces, comme dans toute l'administration. Mais je ne pourrais pas vous mettre avec les autres. Prenez ce texte. Lisez-le bien et tâchez de le signer. Un cas de refuge, je serais obligé de ne plus vous recevoir. Bien sûr, ça n'empêche que mes adjoints pourraient le faire. Je leur dirai de bien s'occuper de vous. Bonne nuit. Est-ce que je pourrais téléphoner à ma femme? On verra ça demain. Pas plus vous téléphoner. Allez m'en chercher d'autres. Mon lieutenant, nous en sommes à plus de 100. L'ordre était formel, autant qu'on en voudrait. Mon lieutenant, je ne supporte plus de la regarder dans les yeux. Alors pourquoi vous êtes-vous enrôlé dans l'armée? Pour combattre l'ennemi. Ceux-là sont nos ennemis. Allez, ramenez-moi 120. Mon lieutenant, ça suffit, regardez. Elle a la nausée. Non. Vous la ramenez dans sa caserne et vous l'enfermez. Demain, elle sera exécutée. Pitié! Tu as trahi ton plan. À propos de nos ennemis, je veux un tri au hasard. Une maison sur deux. Des âges entre 17 et 60 ans. Pas de femmes. Vous les alignez contre le mur et vous les fusillez. Vous avez 2 heures. Mon lieutenant, ça va suffire. On en a déjà tué 100 en 1 heure. Combien y avait-il de blessés dans le commando qui a attaqué? 6. Alors, ce sera 1 pour 50. Et je vous jure que s'ils attaquent encore un de nos villages, je supprimerai cette ville. Notez les villes et les villages désignés. Les villes et les villages désignés sont situés à l'intérieur d'un grand pays, en sillage de toutes sortes d'armes. Ils protègent ce beau pays contre l'envahisseur étranger. Lorsqu'un village de l'ennemi extérieur est bombardé par un commando, l'ennemi pénètre par une brèche et saccage la ville frontalière. Maintenant, et presque en parallèle, lorsqu'un commando s'attaque à un village à l'intérieur du pays, l'armée de ce pays saccage une ville à l'intérieur, d'après l'exemple que nous avons vu. Moralité. Une partie des civils est tuée par l'ennemi étranger et une autre partie est tuée par l'armée du pays se défendant contre ses ennemis intérieurs. Cela paraît logique. Seulement, comment identifier ces commandos amis ou ennemis? Une décision est alors prise. Tous les commandos sont des ennemis. Il y a juste l'armée qui a le droit de défendre la frontière. Donc, plus de commandos dirigés contre l'ennemi. Et à la question qui se pose, mais l'armée ne s'attaque-t-elle pas à l'ennemi? La réponse est catégorique. Nettoyage à l'intérieur. Quant à l'ennemi, il sera écrasé par Dieu. Mais Dieu, vous n'y croyez pas tellement? Dieu est un symbole. Chaque civilisation, chaque peuple a son propre Dieu. Et le Dieu le plus fort est celui qui fera gagner la guerre aux croyants. Et la paix? La paix est bien fragile. Elle n'a jamais existé qu'entre deux guerres qui se suivent. C'est une sorte de détente, de répit, de changement. Comme avec le mauvais temps. Et votre guerre contre l'envahisseur? La guerre n'aura pas lieu. L'envahisseur a ses acquis et son territoire. Son Dieu est puissant. Et nous admirons sa bravoure. Il tient bon, entouré de tous ses ennemis. Et nous sommes un peuple qui admirons le courage et la témérité. Monsieur K sortait de son bureau un soir d'été. Il avait auparavant téléphoné à sa femme, s'inquiétant de sa mère, qui était malade. Il avait aussi reçu un client, qui lui avait remis de l'argent. Au volant de sa voiture, il pensait au présent, juste au présent, car il ne voyait pas l'avenir, et le passé était chargé de tout. Joie et amertume, gloire et décadence. Il s'attendait ces derniers temps au pire, mais il misait sur le respect des autres pour tout ce qu'il avait fait. Là, il souriait, car il avait à son actif pas mal de choses sur le plan professionnel et sur le plan scientifique. Bref, il est admiré par tout le monde. Peut-être pas par tous. Et là, il s'arrêta de penser. Un homme lui faisait signe de s'arrêter, ce qu'il fit. Il sortit sa carte. Il était de la Sûreté Générale. Vous êtes Monsieur K? Oui. Nous avons des ordres pour vous accompagner. Puis-je savoir où? Tout près d'ici. Notre patron vous attend. Dois-je rester pour la nuit? On ne croit pas. Il ne vous fera pas attendre. Est-ce que je pourrais traîner ma famille? Vous le ferez de son bureau. Bon, on y va. Vous permettez? Quelques 200 mètres, et la voiture s'arrêta. L'homme conduisit Monsieur K au bureau du grand patron de la Sûreté. Le grand patron reçut Monsieur K cordialement. Après tout, Monsieur K connaissait toutes les grandes personnalités. Pas voulu vous téléphoner. J'espère que mes hommes vous ont bien traité. Vous auriez pu me donner un rendez-vous? Oui, en effet. Mais j'ai reçu un coup de fil. La décision de vous arrêter a été prise ce matin. Seulement, on se demandait à qui profiterait le plus votre arrestation. Surtout que le mandat d'arrêt ne contient rien de précis. Juste un mécontentement exprimé par le président contre vous. Pourquoi avoir tant attendu? Ordre de priorité. On aurait même pu attendre quelques mois. Imaginez. Vous auriez même pu voyager à l'étranger et ne plus revenir. Comme votre collègue, Monsieur Ali. Combien de temps allez-vous me détenir ici? Je n'en sais rien. En attendant, vous avez coupé une de nos pièces. Vous savez qu'on est à court de pièces, comme dans toute l'administration. Mais je ne pourrais pas vous mettre avec les autres. Prenez ce texte. Lisez-le bien et tâchez de le signer. En cas de refus, je serai obligé de ne plus vous recevoir. Bien sûr, ça n'empêche que mes adjoints pourraient le faire. Je leur dirai de bien s'occuper de vous. Bonne nuit. Est-ce que je pourrais téléphoner à ma femme? On verra ça demain. Pas voulu vous téléphoner. Milan, plus de 300 enterrés dans une fosse commune. Le blocus a levé le surlendemain. Au bout d'une semaine, la vie redevient normale. Les gens oubliaient leur mort. Il y a eu juste 300 ou 400 arrestations. Des gens trop bavards. À présent, les gens chuchotent de lui. La peur m'a saisi à la gorge lorsque l'agent m'a pris mon passeport à l'aéroport. J'ai couru vers ma femme pour lui dire que je risquais d'être arrêté. Je lui parlais derrière les barreaux. Elle sanglotait. Puis un agent m'a accompagné dans un bureau situé à l'étage au-dessus. Là-bas, un officier était au téléphone. Les minutes passaient difficilement. Je pensais à ma femme, qui m'attendait en bas avec les enfants. L'officier raccrocha, me regarda avec courtoisie et me demanda si j'avais séjourné au PIC. Je lui ai répondu que non. Alors il m'a raconté que son supérieur lui avait demandé de s'occuper d'un certain monsieur S dont le nom ressemblait au mien. Je lui ai dit, il y a des façons et des façons de s'occuper de quelqu'un. Alors, il m'a demandé si l'agent avait été gentil avec moi et si je voulais prendre un café. Je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de rejoindre ma femme et mes enfants. C'est par cet incident que le cauchemar a commencé. Le soir du même jour, la sonnerie du téléphone retentit à la maison. Vous êtes Monsieur S? J'ai répondu non, et j'ai raccroché. J'avais les nerfs fatigués. Il existe différentes manières de faire peur à quelqu'un. Ça commence par les contes pour enfants, qui nous parlent du diable, et plus tard... ce sont les petits harcèlements journaliers de la police. Cela, c'est ce qu'il y a de plus dur. Bon. Est-ce que ce sont des mémoires que j'écris? Enfin, des mémoires qu'on joue de tout temps? À quoi servent-ils? Je n'en sais rien. Mais je pourrais toujours les présenter à un metteur en scène. Ah, c'est confus. Ce genre de traumatisme n'est plus d'actualité. Enfin, si j'avais décrit le bonheur, cela aurait pu intéresser un certain public. Peut-être. J'ai joué à le décrire. Et pourtant, dans chaque être réjaillissent 1000 formes de bonheur. Où est le bonheur dans mon récit? Le bonheur que je ressens est trop profond. Il ne remontera pas à la surface. Donc mon récit n'attendra pas un large public. J'aurais bien aimé, tout de même, que ce soit du théâtre. Peut-être. Faut-il essayer? Donnez-moi le papier. Je vais le signer. Ce ne sera pas nécessaire. Avez-vous des nouvelles de ma mère? Elle était très malade lorsque je suis venu ici. Elle est morte. Arrêtez de me traumatiser. Je veux parler au patron. Je lui communique tout ce que vous dites. C'est à lui de juger s'il est important ou non de vous recevoir. Je vous ai communiqué une liste de livres scientifiques. Pouvez-vous aller la chercher dans mon bureau? J'ai transmis votre demande au patron et il n'a rien ordonné. Mais je m'ennuie énormément. Vous devriez savoir que je travaillais 12 heures par jour. On sait tout! Vous venez de me dire que ma mère était morte? Oui. Quand? Aucune idée. Est-elle vraiment morte? Ça, j'en suis sûr. Vous auriez pu me prévenir. Il n'est pas de mon ressort de vous communiquer les nouvelles du jour. La mort de ma mère ne mérite pas d'être annoncée. Si. Vous l'avez tuée? Quoi? Vous osez nous accuser? Je vais transmettre au grand patron, il va être bien irrité. Non, non, excusez-moi. Elle a dû mourir de chagrin. J'aurais dû le savoir. Il y a beaucoup de choses que vous auriez dû savoir. Faites-vous allusion à ma prise de position? Je ne fais allusion à rien. Quand est-elle morte? Il y a 2 mois. Il fallait me le dire. J'aurais prié pour son âme. À présent, c'est elle qui prie pour votre âme. Mon corps existe. Mais si vous le supprimez, j'en aurai plus à souffrir de cette longue attente. Le patron n'a reçu aucun ordre à ce propos. Ce qui est quand même bizarre, c'est que personne dans ce commissariat ne veut entendre parler de vous. On a beau protester que vous occupez un de nos locaux sans que vous fassiez partie du personnel, c'est en vain. Personne côté hiérarchie ne veut rien entendre. On se demande même si vous continuez d'exister pour eux. Et on pense vraiment vous transférer dans une cave du bâtiment, si on est sûr qu'ils vous ont oublié. Pourquoi n'avez-vous pas signé le papier le jour de votre arrivée? J'ai pris position au syndicat. Je pensais que ma position était honnête et impartiale. Vous savez bien que je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Mais nos adversaires ont profité de la situation pour semer la panique. Quoi qu'il en soit, vous auriez dû vous abstenir, comme l'a fait le patron du syndicat à l'époque. Et laisser mes collègues en prison? Eh bien, vous avez fini par les rejoindre, par solidarité. Je vous trouve bien sympathique malgré votre apparence. Hélas, c'est notre dernière entrevue. Car je crois que vous allez être transféré en cellule. Là-bas, vous allez rencontrer une autre catégorie de gens. Plus simplistes, mais rassurez-vous, ils ne vous feront pas de mal. Je crois que c'en est fini avec les beaux jours. On a besoin de nos locaux, car on recrute pas mal de personnel en ce moment. Du moins, le pays ne souffrira plus du chômage. Bon. Adieu. Je reprends. reconnais que vous étiez une personne respectée à un moment donné. Quel dommage. Vous auriez pu occuper pas mal de postes durant votre ascension vers la gloire.